Bonjour, je m'appelle le Père Francis Mackay, je suis curé à Pierrefonds, à Québec, et je fais une série de réflexions théologiques sur la situation avec la COVID-19. Vous êtes bienvenus à vous joindre à nous. Seigneur, on te demande de bénir notre réflexion aujourd'hui. Le thème, c'est la science, une bonne science et une bonne théologie sont meilleurs amis. Une bonne biologie, une bonne physique, une bonne chimie et une bonne théologie sont meilleurs amis. La science, biologie, chimie, physique, etc., répond à la question, comment ça fonctionne? Et c'est merveilleux ce qu'on voit là. Comment ça se comporte, cette situation qu'on voit? Comment la nature agit? Comment ça fonctionne? La théologie répond à une question d'une autre nature. La question, c'est pourquoi est-ce qu'on est là? À quoi ça sert la vie? Quel est le sens de la chose? Et ensemble, quand ils sont bien réfléchis, les deux vont bien ensemble comme meilleurs amis. Et historiquement, on a toujours l'impression que ce sont des ennemis, mais c'est tout à fait le contraire. Et d'ailleurs, parmi les grands scientifiques, historiquement, c'était très souvent, pour la majorité, la vaste majorité, des grands croyants, parce qu'ils savaient que la science, même si on saisit des grandes vérités là-dedans, on n'est qu'au début de la découverte des choses et qu'il y a un grand mystère qui nous dépasse immensément. Et quand on a saisi qu'il y a un mystère qui dépasse ce qu'on connaît, déjà on est des bons scientifiques. Parce que après tout, la création est immense, merveilleuse. Et ce petit coronavirus, même si on connaît bien les virus, nous étonne, on a du mal à saisir la chose. Alors une bonne science, la bonne théologie, meilleurs amis. Une façon de bien saisir ce petit thème, c'est en faisant l'inverse. Une mauvaise science et une mauvaise théologie. Ça ne fonctionne pas. Bon, commençons par exemple avec une mauvaise science. J'entends des fois parler par certains pasteurs aux États-Unis qui disent qu'on devrait, au lieu de se séparer, on devrait se réunir, imposer les mains, prier, et si on prie assez fort, avec assez d'intensité, l'Esprit-Saint va nous débarrasser du virus et personne ne sera infecté. Ben, c'est de la foutaise, évidemment, parce que le virus est très virulent, et très méchant, et très contagieux. Si on impose les mains, on va être malade. J'entends d'autres qui disent que la COVID et la pandémie, c'est une punition de Dieu. Quelle folie! Quelle folie! Non, c'est tout simplement un phénomène biologique tout à fait naturel, ce petit virus. Ce n'est pas une punition de Dieu du tout. Dieu est un être merveilleux et bon, qui a créé avec splendeur cette création. Et Dieu notre Père. Non. Il permet, évidemment, dans sa volonté permissive, que ces événements de la nature se réalisent, mais il passe à travers avec nous. J'entendais récemment un prêtre français qui faisait un YouTube et qui disait que, je ne connais pas le phénomène, mais apparemment M. Bill Gates suggère qu'on mette des genres de petits chips dans la peau des gens pour qu'on puisse contrôler qui est infecté, qui ne l'est pas. Et comme ça, on aurait des nombres exacts là-dessus. Et ce prêtre voyait cela comme une sorte de réflexion d'une prophétie du livre de l'Apocalypse. Mauvaise science. C'est une folie. Je ne connais pas la théorie de M. Gates, là, de son projet. Mais le livre de l'Apocalypse n'a rien à faire avec une sorte de prophétie, de pandémie ou de problème quelconque, pas du tout. Le livre de l'Apocalypse est un livre très simple, écrit par Saint Jean, qui est un livre d'espérance pour des gens qui souffraient beaucoup, des chrétiens qui étaient persécutés à Rome, pas plus que ça. Alors ça, c'est une
des exemples de mauvaise science. Et une mauvaise théologie qui caractérise quand même assez notre culture contemporaine est aussi problématique. Nous vivons aujourd'hui, depuis longtemps, je pourrais dire que même la vraie pandémie, depuis 40, 50, 60 ans ici en Amérique et en Europe aussi, c'est une sorte d'évacuation du mystère et de Dieu. Évacuation de la surprise, du mystère, le transcendant. On a perdu du sens, des horizons de signification. Alors on dirait qu'on est comme une sculpture qui vit dans une serre chaude, là, une grande maison immense, avec toutes de possibilités de piscine et de jungle, etc. Mais une maison. Mais une maison qui n'a pas de fenêtre. Alors on comprend tout à partir de ce qu'on voit, ce qu'on entend dans notre maison, sans fenêtre. Et on déducte nos conclusions à partir de notre vécu. Mais tout d'un coup, quelqu'un ouvre une fenêtre qui était fermée à clé, l'ouvre, et tout d'un coup, les gens disent, « Mon Seigneur, il y a un ciel, il y a des étoiles, il y a une lune, il y a un beau soleil, il y a de l'atmosphère, il fait beau, il y a l'espace. » Ben oui, c'est un peu une image du mystère de Dieu. Si on vit dans une serre chaude où tout est expliqué par le petit qu'on comprend, alors on vit dans une sorte de théologie difforme. Et alors, dans ce sens-là, la maladie et la mort, qu'il faut évidemment combattre de notre mieux, devient ennemi numéro un. Alors, il y a une sorte de mouvement pour se débarrasser complètement du cancer. Je suis d'accord qu'on se débarrasse du cancer, évidemment. On va se débarrasser des problèmes des reins, éliminer ça. Éliminer les problèmes du cœur, éliminer. Ben oui, la science doit essayer de découvrir des solutions à tous ces problèmes-là. Mais le fond du problème n'est plus ça. Si on écoute bien ce qui se passe, c'est qu'on ne va pas juste éliminer le cancer ou le problème des reins, on veut éliminer la mort elle-même, qui est l'ennemi profond. On veut contrôler. Bon, on ne dit pas que c'est de la mauvaise volonté, mais dans le fond, ça, on a perdu un sens. Qu'après tout, la mort, on ne peut pas la contenir. La mort fait partie du naturel de la vie. Nous vivons, nous mourons. Et la théologie ouvre à la science, une bonne théologie ouvre à la science une fenêtre d'espérance. Alors, dans ce sens-là, la mort est devenue pour nous, dans notre culture, une sorte d'ennemi qui énigmatique, évidemment. Alors, il faut essayer de le contrôler. Et curieusement, depuis 10-15 ans, en Europe et en Amérique, là, on essaie de trouver des façons de contrôler la mort, car elle nous dépasse. Nous avons développé des techniques qui s'appellent l'assistance médicale à contrôler la mort. Bon, c'est une illusion, ce n'est toujours une illusion, évidemment. Mais en arrière de ce mouvement, de l'assistance médicale à la mort est un désir de contrôler, on pourrait dire, la fin de notre vie. Or, en faisant cela, c'est une mauvaise théologie, une mauvaise moralité qui a évacué le sens même du mystère de la vie. Nous ne pouvons contrôler cela. Alors, c'est une mauvaise théologie, une mauvaise science, ça ne fonctionne pas. Une mauvaise science amène à une mauvaise théologie. Une mauvaise théologie amène à une mauvaise science qui est étriquée. Alors, qu'est-ce une bonne science? Je dis rapidement là. C'est une science qui reconnaît que la pandémie, c'est un phénomène qui vient de façon régulière. La nature se morphe, les virus se morphent. Et puis, oui, la nature crée des situations très pénibles pour nous, où les gens meurent de pandémie, de virus virulent. Et oui, il faut se distancier, il faut se laver les mains, etc., pour essayer de contrôler ça. Une bonne science nous a aidé immensément quand on compare avec la pandémie d'Espagnol de 1918, où entre, on pourrait dire, presque 50 millions de personnes, on ne connaît pas les nombres, évidemment, pas loin de 50 millions de personnes sont décédées parce qu'ils ne savaient pas les rudiments de comment fonctionne un virus.
La science, une bonne science aujourd'hui nous a aidé immensément. Mais une bonne théologie nous rappelle aussi que la mort fait partie de notre nature humaine. Nous sommes des êtres mortels. Et la mort n'est pas un trou, c'est une fenêtre qui nous amène vers quelque chose de plus large. La mort n'est pas un échec. La mort est la conclusion naturelle de la vie. Et nous mourrons une seule fois, mais à chaque jour, on vit une nouvelle journée en sortant du tombeau de notre lit pour rentrer dans une nouvelle journée. Et nous vivons chacun, nous, 60 000 jours, 70 000 jours, 100 000 jours de vie. Mais on meurt une seule fois. Et ceci conclut notre cheminement avec un Dieu que nous aimons profondément. Est-ce que la réalité d'une vie éternelle avec Dieu est seulement un opium pour des gens qui sont tristes, qui ont peur de la mort? Est-ce que c'est juste un phénomène inventé par des hommes et des femmes religieuses parce qu'on ne comprend pas la science? À y réfléchir, pensons à la vie elle-même. Pourquoi tomber amoureux? Pourquoi donner vie à des enfants? Pourquoi servir les autres? Pourquoi désirer des grandes professions pour être au service de l'humanité? Si tout cet effort généreux, cet effort de gentillesse, cet effort amène à un trou dans la terre et ça termine là. Pourquoi tomber amoureux? Pourquoi vivre une vie ensemble? Pourquoi se donner à l'autre? Il y a en l'homme, il y a en la femme, un désir infini d'être connu, d'être aimé, un désir infini de vivre pour l'éternité, c'est normal. Il y a ce désir infini en nous. Est-ce que c'est juste une sorte d'aspiration d'une créature? Ou est-ce qu'au fond, c'est une semence placée par celui qui nous a donné la vie, le Créateur, nous a une aspiration vers quelque chose de plus grand qui va se réaliser, qu'on puisse vivre éternellement, qu'on puisse être connu profondément, qu'on puisse découvrir tous les mystères de la vie et qu'on soit aimé profondément et qu'il y ait une communion avec notre famille et nos amis qui ne passera jamais. N'est-ce pas des indices que peut-être, placés dans le fond de l'âme de l'homme, il y a une aspiration qui s'est réalisée par un seul être qui lui-même est infini? C'est celui qui nous soutient de la vie, qui est notre Père, celui qui donne notre vie, celui qui nous invite à le connaître et à l'aimer. Alors oui, une bonne science nous démontre et nous fait saisir la grandeur de la création, fait des découvertes étonnantes. Et à travers la science merveilleuse, nous arrivons à contrôler beaucoup de maladies et nous avons bien saisi ce que c'est que cette petite pandémie, ce virus, on n'a pas tout saisi évidemment. Mais la fin et la mort n'est pas la fin du chemin. Et la théologie, cette connaissance de Dieu nous ouvre à quelque chose de plus grand. La mort est une porte qui nous invite à espérer. Et pour cette raison, une bonne science qui nous aide à gérer la vie de tous les jours, et le meilleur ami d'une théologie qui nous dit, même quand la science réalise ses limites, la présence de Dieu nous ouvre à plus grand que cela. Alors ce sont des meilleurs amis. Et une mauvaise science et une mauvaise théologie, ça s'effondre, ça nous écrase. Alors bon courage, la science et une bonne science et une bonne théologie sont meilleurs amis. Alors tous les scientifiques, continuez votre travail formidable de découvrir ce monde étonnant que Dieu nous a donné. Mais soyons des hommes et des femmes de prière, ouverts à un mystère plus grand que nous-mêmes, qui nous rappelle cette présence étonnante de Dieu qui vous aime profondément, qui vous aime tous comme ses enfants et qui vous invite comme cela à une espérance vivante. Alors, bon courage et que le Seigneur vous bénisse.